On est juste deux. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le temps que tout le monde entre, on va débuter dans quelques instants. S'il vous plaît, mettre votre micro en mode sourdine, s'il vous plaît. Merci beaucoup tout le monde. Alors encore une fois, bonsoir tout le monde. Je vous demanderai s'il vous plaît de désactiver votre son en attendant qu'on débute notre rencontre et que je laisse tout le monde rentrer. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc. Je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça fait plaisir de vous souhaiter le bonsoir. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à Madame Bronde qui animera la rencontre. Juste prendre note que cette rencontre est enregistrée et puis qu'il y aura une période d'échange à la fin de la rencontre. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Bronde. Ah, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié que vous soyez parmi nous. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre pour parler de sujets de sécurité dans l'îlot Pratt, Willow, pas Willowdale, pardon, l'îlot Pratt, Antoine-Maillet, Heartland et Dunlop. Cette rencontre fait suite à une rencontre qu'on a eue le 3 novembre 2022 dans laquelle on voulait vous présenter les sens uniques qui vont être mis de l'avant.
Ceci étant dit, malheureusement, il semble qu'il y avait personne de la rue Heartland de lors de la réunion, ou du moins peu de personnes. Dans ce contexte-là, j'ai reçu quelques lettres, quelques courriels de résidents de la rue Heartland pour me dire que l'invitation n'était pas claire et qu'ils pensaient que c'était uniquement pour la rue Antonine-Maillet. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on tient la réunion aujourd'hui. Je vais essayer de faire un contexte, une mise en contexte rapidement pour vous passer la parole. Comme vous savez, il y avait un enjeu de sécurité sérieux au coin de Dunlop et Van Horn. Des sens uniques ont été implantés et ça a réglé la situation à cet endroit-là. Par contre, il y a eu une recrudescence d'accidents relativement sérieux depuis à peu près 2019 au coin d'Antonine-Maillet et Van Horn. C'est un coin qui n'est pas protégé par les stops ou encore par des feux. L'équipe de l'arrondissement a fait des démarches auprès de la ville-centre pour obtenir l'autorisation de mettre des feux au coin d'Antonine-Maillet et Van Horn, et malheureusement, cette option-là a été refusée par la ville-centre. Il faut savoir que Van Horn est une artère de transit, donc de responsabilité ville-centre. On doit obtenir l'autorisation de celle-ci pour faire toute intervention. Donc, dans ce contexte-là, l'équipe responsable de la sécurité de l'arrondissement a regardé pour mettre en place un sens unique sur Van Horn. Il y a eu une première rencontre en octobre 2021 et quand je suis arrivée à Outremont dans le dossier, on a mis sur la glace le sens unique sur Antonine-Maillet parce qu'on avait peur que ça ait un impact au coin de Heartland-Van Horn, entre autres. On ne voulait pas transporter le problème de sécurité ailleurs. Qu'est-ce que l'équipe de l'arrondissement a fait depuis ce temps-là? Eh bien, il y a des cloches qui ont été installées au coin de Pratt et Van Horn. Suite à une rencontre qu'on a eue avec vous, là, avec certains résidents, vous nous avez fait une liste d'éléments que vous vouliez qu'on mette en place et je vous dirais que tout ce qui a été nommé par les résidents a été mis en place par l'équipe. Le marquage a été amélioré, la signalisation a été améliorée, il y a eu une coupe des arbres pour améliorer la vision, il y a eu des tréteaux qui ont été fixés au sol dans le milieu de Van Horn. Il y a eu, comme je vous dis là, c'est pas mal ça qui a été fait et malheureusement, bon, mais là, vous le voyez ici. Alors, mise aux normes des feux de circulation sur Van Horn, installation des tréteaux au centre de la chaussée, marquage le long des trottoirs sur la partie de Van Horn, comprise entre l'avenue Rockland et la limite ouest de l'arrondissement. Marquage au centre de la chaussée avec les gros X de couleur. Il y a eu les cloches qui ont été installées et malheureusement, on n'arrive pas à diminuer ces accidents-là. Le jour de la dernière rencontre, donc le 3 novembre 2022, il y a une voiture qui est rentrée, qui a eu un accident au coin d'Antonine-Maillet, Van Horn. Elle est arrivée à quelques pouces d'un garage qui se trouve dans la résidence d'un couple de résidents et c'était assez choquant pour tout le monde. Après cet accident-là, après avoir mis en place toutes ces choses-là dans la dernière année, on en arrive à la conclusion qu'on n'est pas capable de trouver une autre alternative que les sens uniques. Par contre, les résidents d'Heartland, vous nous avez exprimé votre crainte par rapport au fait qu'il y ait un sens unique sur Dunlop et Antonine-Maillet, mais qu'il n'y en aurait pas sur Heartland et que la circulation refoulerait sur votre rue et c'est une préoccupation qui a été confirmée par les analyses. Et dans ces circonstances-là, et comme on va aller de l'avant avec les sens uniques sur Antonine-Maillet, eh bien, on vous propose de mettre un sens unique sur votre rue aussi. Alors, ce qui est proposé, c'est un sens unique en direction nord sur la partie de Heartland entre La Joie et Van Horn et un sens unique direction sud entre Ducharme et Van Horn. Ce sont des sens uniques dos à dos. Si vous regardez le plan que vous voyez actuellement, vous voyez que Heartland, ce sont des sens uniques qui font face à face, alors qu'Antonine-Maillet, c'est dos à dos. Dunlop, les sens uniques sont déjà implantés. Rockland est un sens unique d'un bord vers le sud. Pour ce qui est de l'avenue Pratt, bon, on aura la rencontre tout à l'heure. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voudrais vous entendre sur bon, les avantages, évidemment. Après les analyses, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments qui nous expliquent la recrudescence d'accidents, mais on sait aussi, surtout, que c'est du transit, la circulation dans vos rues. Ce sont des gens qui veulent éviter les rues comme Rockland pour aller probablement vers le centre-ville ou vers Côte-des-Neiges et qui passent à travers des raccourcis. Les inconvénients, c'est vrai, c'est que ça peut vous forcer à faire un petit détour, donc ça va vous prendre peut-être 2 à 3 minutes de plus pour rentrer chez vous. Peut-être pour sortir, ça va être le même nombre de temps que maintenant ou vice-versa.
Il y a un autre inconvénient aussi. Oui, c'est correct. Il y a un autre inconvénient, et ça, vous l'aviez nommé dans la. Plusieurs résidents m'ont écrit à ce sujet-là. Vous avez des craintes par rapport au fait que si le sens unique double sens, si la rue double sens devient sens unique d'un sens, la rue va devenir très large et ça pourrait amener les gens à rouler plus vite. Et c'est quelque chose auquel on a pensé. On a pensé à quelques alternatives pour ça. Mais avant de parler des alternatives, on aimerait vous entendre par rapport à comment vous recevez cette solution-là. Alors, je vais prendre les mains levées si vous souhaitez partager votre point de vue. La parole est à vous. Pour l'instant, j'ai aucune main levée. Bon, alors j'étais très convaincante ou très claire, je ne sais pas. Mais d'abord, je vais vous parler de. Ah, et voilà, Marie-Paul a une question. Allez-y. Oui, non, c'était juste pour dire que je pense que effectivement, là, on l'a remarqué, l'augmentation du transit sur notre rue. C'est une rue où il y a beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ça fait quelques années qu'on habite ici. Au début, les enfants pouvaient facilement traverser, aller voir les amis, mais maintenant, c'est dangereux, là, donc malgré les dos d'âne, malgré les gens roulent très, très vite. Alors, ben j'appuie cette. Oui, puis l'autre chose, c'est que la descente entre La Joie et Van Horn, la rue est en pente descendante. Donc, les gens partent de La Joie puis roulent, là, mais rapidement, rapidement, jusque vers Van Horn. Donc, j'appuie l'initiative. Voilà. Merci Marie-Paul. Je peux peut-être rajouter aussi que, tu sais, on peut se reparler aussi par la suite, là, si jamais vous avez des craintes ou qu'il y a des éléments auxquels on n'avait pas pensé qui arrivent, tu sais, n'hésitez pas à nous écrire, on refera des rencontres encore comme ça pour se parler, là. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient des commentaires? Marie-Paul. Juste, ouais, excusez-moi, je veux pas, mais c'est juste mon conjoint me fait penser que le sens unique va être vers Van Horn, par contre, qui est que ça descend vers. Fait que, je sais pas, j'imagine qu'il y avait une logique aussi, là, mais c'est juste que ça fait que c'est dans ce sens-là que les gens souvent vont plus vite, là, justement, parce que ça part de La Joie puis ça descend vers Van Horn. Mais bon, c'est juste un commentaire là, pour à réfléchir, là. C'est un bon commentaire. On va penser à des solutions pour ça. Il y aurait d'autres solutions pour Ouais. mitiguer la vitesse, là, tout à fait. C'est un très bon commentaire. On va essayer de réfléchir à des solutions. Madame Allard? En fait, c'est juste une question. Ça serait mis en place quand? Ce que la responsable de la sécurité là, avait suggéré, c'est de ne pas le mettre en place avant le printemps. De toute façon, moi, je voulais m'assurer que tous les résidents soient au courant pour pas que vous vous retrouviez un matin à vous lever avec un sens unique dans votre visage sans être au courant. Là, je pense qu'on l'a assez annoncé. Là, ça fait depuis décembre qu'on l'annonce. Mais donc, quand la chaussée va être assez propre pour être nettoyée, qu'on va pouvoir effacer le vieux marquage et refaire du nouveau marquage, parce que là, ça sera plus à double sens, c'est à ce moment-là que les sens uniques vont être imposés. Ça va se passer entre le printemps et l'été, probablement. Un suivi. Donc, Heartland, entre Ducharme et du Manoir, va être également sens unique vers le sud. Non. Heartland, entre ceux-là, on n'y touche pas. On arrête vraiment à Ducharme, les sens uniques. OK, parfait. C'est vraiment entre Ducharme jusqu'à Van Horn. Et après ça, vous avez la deuxième section de Van Horn jusqu'à La Joie. C'est bon, merci. Le coin au nord de Ducharme semble moins affecté par la circulation de transit. Les gens proviennent de Ville-Mont-Royal via le viaduc. Après ça, la concentration va sur Rocklin, mais se diffuse doucement vers l'ouest pour aller vers Van Horn. Alors, il y aurait Madame Allard. J'ai oublié de baisser ma main. Ah, J'essaie de la baisser. désolée, Merci. je l'ai baissée pour vous, Madame Allard. Bon, OK, Madame Chandra McGill. Oui, je voulais juste savoir au niveau du stationnement, est-ce qu'on pourra garder le stationnement des deux côtés de la rue? Parce qu'on est quand même plusieurs qui n'avons pas d'entrée pour stationner. Puis ça peut être assez, il y a souvent
plusieurs voitures. Donc, je pense que ça serait important qu'on puisse garder quand même l'option de stationner des deux côtés. Ça, pour vrai, ça vous appartient. Si vous m'aviez dit, si vous aviez dit, on veut enlever le stationnement pour faire un aménagement, on aurait pu l'enlever. Si vous voulez pas l'enlever, on le garde. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Ce qu'on avait là, si vous voulez, je peux vous suggérer de un peu c'était quoi nos idées là pour diminuer l'emprise. Puis peut-être, oui, mais sinon, allez-y, Madame. Choco. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous expliquer où on en est. Puis je suis désolée à tout le monde, là, je suis sur la route, ce qui n'est pas très intelligent, mais ce n'est pas moi qui tiens le téléphone, c'est mon fils. Je voulais simplement vous faire part suite au commentaire de Chandra, qui est une de nos voisines, que ce serait peut-être intéressant de faire comme aménagement s'il y a cette ouverture. Alors, merci, c'était un peu Dark Vader, mais on a compris quand même. Il y a eu un petit problème de connexion. Mais oui, c'était ma prochaine suggestion. Si vous voulez vous parler puis prendre des décisions ensemble par rapport aux aménagements, bien, on pourrait les mettre en place doucement là, une fois que vous auriez convenu de quelque chose, mais il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Une des options, ça pourrait être d'enlever du stationnement d'un bar, mais je comprends que c'est probablement pas vers là que vous allez aller. Mais si vous décidiez d'enlever du stationnement d'un bar, on aurait pu, par exemple, protéger la zone libre avec des bollards, puis ça aurait pu devenir un corridor cyclable, un corridor famille où vous mettez des, je sais pas moi, des paniers de basket ou peu importe. On pourrait aussi enlever du stationnement dans le milieu puis faire une zone protégée par des bollards d'un bar. On pourrait faire un mini corridor puis passer les voitures pour que ce soit moins large. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a plein d'options qui s'offrent à vous, mais c'est une bonne idée de vous parler puis de concevoir vous-même qu'est-ce que vous voulez faire de manière temporaire pour l'instant, puis qui ne sait-on peut-être jamais, peut-être ça peut devenir plus permanent un jour, là. Il n'y a plus de main levée. Est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires, des peurs, des craintes, des interrogations, Madame McGill? Oui, je voulais juste mentionner une autre chose. J'ai remarqué, juste au niveau de la sécurité, encore aujourd'hui, si je suis sûre du charme, ma voiture, si on a la navigation, elle va essayer de me faire tourner à gauche sur Dunlop. Alors, il faut savoir que c'est pas possible. Donc, je voulais simplement voir s'il y a une façon de, je ne sais pas où ça doit être envoyé ou comment les mises à jour sont faites, mais avec la vitesse que les gens prennent là, dans nos rues, ça pourrait effectivement être dangereux si les GPS leur disent de tourner puis ils sont pas au courant. Je ne sais pas qui est responsable de recevoir cette information-là. Je me souviens qu'on avait essayé de faire changer certaines informations. Là, habituellement, ils s'alimentent avec les données ouvertes, mais je me renseignerai à ce sujet-là là, pour que ce soit changé. Mais c'est un bon point, Mme McGill. Puis d'ailleurs, quand j'ai fait des tests avec Waze, là, et puis ça fait passer sur vos rues pour éviter le trafic, là. Oui, puis je pense que ça va continuer. Dans le fond, c'est sûr qu'avec les sens uniques, on va peut-être voir une diminution du trafic de transit, mais il y en a tellement que je pense que quand même, les gens vont prendre nos rues de toute façon pour faire le transit, parce que sinon, sur Rockland puis Dubimi, ça sera juste pas possible. Donc, ce qui va arriver peut-être aussi, c'est qu'on va remarquer peut-être des petits problèmes sur Van Horn.
Parce qu'ils vont prendre Heartland, par exemple, ensuite ils vont devoir tourner pour un coin de rue ou deux, puis ensuite tourner encore pour continuer. Donc, sur Van Horn, il va y avoir beaucoup plus d'arrêts et probablement de voitures qui vont essayer de contourner les voitures qui vont devoir tourner. Comme de raison, nous, on sera obligés de prendre Van Horn, puis ensuite de tourner encore, tu sais, pour sortir d'ici. Donc, ça sera juste un aspect à surveiller, parce qu'avec le nombre de voitures qui passent sur Heartland, je pense que c'est assez clair que ce ne sera pas tout le monde qui va décider d'aller ailleurs, là, sur les rues principales. Je pense que vous avez raison. On a l'impression que dans le sens, les sens uniques, il va y avoir un moment où il va y avoir du transit. Ça va être soit le matin, soit le soir, selon les rues. Donc, ça risque. En fait, là, c'est un projet pilote. Fait que si ça ne fonctionne pas, si jamais on voit qu'il y a des impacts, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, s'il faut qu'on fasse d'autres installations, s'il faut qu'on essaye d'autres choses, si jamais on crée un problème, évidemment, on se reparle et on trouve une autre solution. Alors, n'hésitez pas à bonifier les informations une fois que ça va être mis en place. Madame Dilorio? Oui, bonsoir. Ça m'a pris du temps pour régler mon problème de cellulaire. Je voulais seulement savoir, parce que je n'ai pas vu l'autre séance pour Anthony Maillet, mais depuis que vous dites là, pour l'avenue Heartland, c'est quoi que vous allez faire sur Anthony Maillet pour ces sens uniques? Là, c'est assez large comme chaussée. Je ne sais pas si vous aviez déjà des idées. Parce qu'autrement, c'est trop large? Oui, puis c'est un peu la même chose que pour Heartland, pour Anthony Maillet. Il y a plusieurs options qui sont possibles, c'est-à-dire garder un seul bar de stationnement, garder deux bars de stationnement. Bien, on n'a pas les deux, là, c'est ça, on ne veut pas en ajouter, là. C'est ça. Alors. Mais comment. Je voulais savoir comment. C'est quoi les processus pour. Parce que si vous dites là que vous allez le faire le printemps, mais avant le printemps, il faut qu'on se parle. Tout à fait. C'est vraiment important qu'on se parle et puis que la demande provienne des citoyens. Là, on pourra se reparler puis vous offrir à nouveau les options. Et puis, okay. C'est les citoyens qui vont choisir, c'est les résidents qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent devant chez eux. Là. Il va falloir qu'on se parle. On pourra organiser une rencontre sur Anthony Maillet. Je pourrais venir vous voir dans la rue, là, puis on pourra regarder ensemble quoi les options. OK, mais merci. Merci. Prochaine personne, Madame Allard. Oui, en fait, j'ai remarqué, bon, on a tous remarqué que la ville a changé les feux de circulation sur Van Horn, mais ils sont en train de le changer. Un des changements effectués, c'est que maintenant, quand la lumière devient verte, elle devient d'abord verte pour aller tout droit, et par la suite, elle devient pleinement verte pour pouvoir tourner à gauche et à droite. Alors, dans l'éventualité où on devient sens unique, peut-être cette flèche-là n'est plus pertinente, et pour éviter que justement il y ait une accumulation de voitures sur Heartland, disons vers le sud, peut-être que la ville devrait enlever cette flèche unique et tout de suite tomber au vert. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quand la lumière tombe verte, on a d'abord l'obligation d'aller tout droit, ce qui ne sera plus possible. Alors, ça va donc être une perte de temps pour la lumière verte. Si de toute façon, on est dans l'obligation de tourner à gauche ou à droite, peut-être que la ville devrait être informée de changer la signalisation de leur feu de circulation. Je ne sais pas si on y avait pensé. Merci beaucoup, Madame Allard. Les feux de circulation viennent d'être mis à niveau. Maintenant, je vous avoue, bien humblement, on n'y avait pas pensé. Alors oui, effectivement, s'il y a une flèche tout droit et qu'on ne peut pas aller tout droit, c'est mauvais. Alors, merci beaucoup d'avoir amené ça. On va y penser. On va le souligner. Merci. Je ne vois pas d'autres mains. Tarek Charkaoui.
Allez-y. Oui, bonjour. Question pour vous, savoir, y a-t-il une raison pourquoi Heartland, les dernières couples de jours, c'est un stop? C'est comme, c'était une lumière qui, cet après-midi en rentrant, là, c'était un stop. C'était un flashing red. Est-ce que ça se peut qu'ils sont en train de mettre aux normes les lumières un peu plus bas sur Van Horn? Est-ce que ça peut être ça? Ça pourrait, j'ai pas eu vent d'un problème. Des fois, c'est aussi un problème électrique, là. Alors, je ne sais pas la raison. OK. Merci. Est-ce que vous voulez on a encore du temps? Est-ce que vous voulez qu'on en profite pour parler ensemble des différentes options d'aménagement qui pourraient s'offrir à vous? Avec plaisir. Madame Furger, Priscille. Oui, bonsoir. Justement, c'était un peu par rapport à ça ma question parce que je me suis joint avec quelques minutes de retard. Donc, je me demandais un petit peu c'est quoi le processus. On avait vu des scénarios possibles avec un PowerPoint qu'on avait reçu là il y a quelques mois, je pense, qui était plus pour une autre rue, mais on avait de quoi imaginer un petit peu ce que c'était. Donc, moi, ce serait plus ma question, plus dans le processus, puisque vous dites que c'est les citoyens qui vont choisir ce qu'ils ont, les résidents qui vont choisir par rapport à ce qu'il en est. Donc, j'aurais voulu comprendre un petit peu plus l'échéancier exact et puis le processus un peu de sélection ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, là, d'avis. Ben, c'est une bonne question. Alors, ce qu'on peut se dire d'ores et déjà, c'est qu'on sait que si on ne fait pas d'intervention sur Heartland, la rue va être relativement large et ça risque de faire que les voitures vont aller plus vite. Puis en plus, il y a une lumière, alors on pense que peut-être les gens vont aller plus vite pour attraper la lumière. Donc, on doit rétrécir la chaussée. Alors, comme il y a différentes alternatives. Dans le cas où c'est un sens unique, c'est ça? Dans le cas où c'est un sens unique. Ben, dans n'importe quel cas, c'est que là, comme vous devenez deux sens qui devient sens unique, la chaussée va devenir très large. Donc, oui, dans le cas, donc parce que c'est acté que c'est un sens unique. Ça, c'est acté, c'est ça? Exact. OK. Alors, la question de savoir c'est quoi le processus, ben, il faudrait peut-être écrire une lettre avec ce que vous avez choisi comme aménagement, puis obtenir les signatures de vos voisins. Une fois que vous aurez convenu qu'est-ce que vous voulez faire comme aménagement puis qu'il y aura un consensus sur la rue, eh bien, on pourra organiser une rencontre un peu comme sur Antoine Maillet. Moi, je me propose pour aller vous rencontrer dans la rue à un moment donné, puis on pourra discuter ensemble, essayer de trouver un consensus. Et quand on aura consensus pour les aménagements, eh bien, on pourra le mettre de l'avant. Mais il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire? On sait que l'été, il y a moins de circulation quand même à Outremont parce qu'il y a moins de voitures. Fait que pour moi, c'est pas si inquiétant si on le met pas en place le jour du sens unique. Mais on pourrait aussi se coordonner, attendre d'avoir le plan d'action pour implanter le sens unique. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Furger? En partie, je vais peut-être avec les questions et les choses, ça va venir, parce que sinon, donc, vous avez un échéancier pour le sens unique, c'est ça? L'échéancier pour le sens unique, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas encore fixé parce qu'on doit attendre que la chaussée soit propre et sèche pour pouvoir enlever le marquage et faire du marquage de sens unique. OK, désolée, j'ai dû perdre un moment. Merci. Il n'y a vraiment pas de problème. Il y a Madame Geoffroy qui suggère d'allonger vos terrains. C'est une excellente idée. On pourrait le faire devant chez moi aussi. Non, c'est une bonne idée. C'est très drôle. On l'a fait dans certains cas où on a allongé les terrains, tout à fait. Il y a Madame Choco et puis après ça, Madame Dilorio. Oui, merci. Alors, en fait... c'était un peu dans la même veine, là. C'est-à-dire pour être capable de revenir vers vous avec une lettre de tous les, idéalement, la majorité ou tous, ou enfin, ce qu'on sera capable de faire, des résidents de la rue avec une proposition, ce serait quand même intéressant d'avoir une meilleure idée des options possibles, dans la mesure où
T'sais, dans un monde idéal, si on vous revenait et qu'on vous disait, ben oui, nous, on veut faire une plaza au milieu de notre rue avec une table de ping-pong, des installations de terrasse et une petite section couverte aussi pour la pluie. On adore ça, fermer notre rue. Si tout est ouvert, on va se lâcher lousse, mais de façon réaliste, c'est quoi les paramètres, disons, de ce qui est possible? Bien, les paramètres, d'abord, c'est vrai que tout est possible d'une certaine manière parce que tant qu'il y a le consensus social, dans le sens que si vous enlevez toutes les places, parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, qui a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de places de stationnement sur Heartland parce que les gens n'avaient pas d'entrée chartière. Donc, si c'est vrai, il va falloir quand même que réfléchir à ça. Mais oui, tout est possible dans la mesure que ça reste sécuritaire. Dans le sens que si vous voulez faire une placette dans des endroits de stationnement, il va falloir quand même la protéger pour être sûr qu'il n'y ait pas un... Là, je pense aux arguments qui vont m'être donnés par la responsable de la sécurité à Outremont, mais en gros, ça va être ça. Tant que c'est sécuritaire, je pense que ça va être possible. Madame Leblanc, avez-vous une réponse plus sérieuse que la mienne? Peut-être pas plus sérieuse, mais il faut aussi penser au coût. Alors, il y a peut-être des choses qui pourraient être implantées temporairement cet été, tester des choses. Puis, s'il y avait des travaux de plus grande ampleur, bien, naturellement, là, qui devront être peut-être réfléchis, plans de vie, tout ça, dépendamment de ce qui est souhaité par les citoyens et citoyennes. Mais tout ce qui est temporaire, là, tabac technique et autres, là, c'est toutes des choses qui sont dans la zone du possible. Oui, bien, c'est une bonne. C'est ça, tu sais, peut-être penser au coin Stuart et La Joie. On n'a pas fait. Ça, c'est à côté de l'école Guy Drummond. On n'a pas fait tout de suite une saillie. On a fait une saillie avec des bollards. Donc, ça a comme dégagé de l'espace. C'est une bonne manière pour analyser si ça fonctionne bien, si c'est le bon espace. Puis éventuellement, quand la rue sera à faire, on pourra faire un aménagement plus permanent. Peut-être que c'est comme ça aussi qu'on peut commencer avec des aménagements. Si vous voulez essayer pendant l'été une placette dans le milieu, comme vous voulez dire, on peut l'essayer. Il va falloir probablement enlever quelques places de stationnement pour faire la placette, mettre des bollards pour protéger, puis vous pourrez mettre ce que vous voulez là. Ce ne sera pas très, très onéreux. Pensez juste au fait que si on enlève des places de stationnement, mettons qu'on en enlève 6 au milieu de la rue, il faut quand même qu'on le passe au conseil d'arrondissement puis qu'il y ait un règlement qui soit écrit. Mais c'est quelque chose qui est 100% faisable, si c'est ce que vous souhaitez. Il y aurait Mme Dilorio. Oui, alors, j'ai seulement une question à propos de vu que la rue va être sans unique, Heartland comme Anthony Maillet. De chez moi, là, la plupart du temps l'été, j'ai fait du vélo et j'y vais vers le parc Joyce. Si l'essence dans mon coin va être vers Ducharme, comment j'arrive au parc Joyce si c'est sens unique dans l'autre côté, dans l'autre sens? Vous allez dire, je dois faire les tours du charme, je dois aller sur Auckland, passe en vélo sur Auckland? C'est une bonne question. Comme dans toutes les rues sens unique, j'imagine qu'il faut, quand on est sur la rue, respecter le code de sécurité routière, donc prendre les... Parce que ça arrive souvent sur Willowdale, là, tous les vélos sont au sens contraire, là, parce qu'évidemment, ils ont besoin de dépasser au sens contraire pour rejoindre la piste cyclable, mais disons qu'il n'y a pas de consensus pour faire une piste cyclable, alors moi, je dois aller en sens contraire. C'est ça qu'on doit faire? Mais non, en réalité, il faudrait prendre une rue qui est à sens, qui va vers le parc Joyce, mais sur Antenne Maillet, comme vous n'avez pas de stationnement du côté ouest, si je ne me trompe pas, vous pourriez faire une piste cyclable à double. On aurait assez de place pour faire une piste cyclable à double. S'il n'y a pas de consensus, c'est ça que je veux dire. Là. Je vais sur le trottoir ou je vais contre la loi. C'est ça que. Parce que ça me dérange un peu que l'essence unique va vraiment couper la rue et l'accès au parc. C'est ça que. Parce que moi, je ne peux pas aller par Heartland. Là. C'est trop difficile pour moi à faire Heartland. C'est en pente. Je dois faire du charme en pente, après aller en Heartland à faire la pente. C'est ça que je trouve que des sens uniques, là, ça va nous couper un peu les façons de se promener en vélo.
Mais vous avez vraiment raison, puis c'est un des désavantages. On l'avait mis en auto, mais c'est applicable au vélo aussi, puis je suis vraiment désolée pour ce désavantage-là. C'est un irritant, vraiment. Bien, c'est, en tout cas, c'est certain, je vais prendre une contravention, là, je vais la contester, là, c'est certain. J'avais une autre question à propos, je ne sais pas si vous allez parler, je ne pense pas que vous allez parler plus tard. Si jamais je dois, parce que je pense que vous aviez parlé, j'ai entendu parler en tout cas, qui la ville proposait peut-être sur Van Horn qu'on pouvait peut-être tourner à gauche pendant l'heure de pointe. Pour l'instant, on ne peut pas. Il y a des pancartes qui, pendant, je pense, des 4 heures à 6 heures, on ne peut pas tourner à gauche sur Van Horn. Il pensait d'enlever ça pour nous faire passer sur Anthony Maillet, par exemple. J'imagine même pour Dunlop. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je ne sais pas ce que vous pensez, parce qu'autrement, tout le trafic va passer là-bas. L'idée a été analysée au début. On pensait les enlever, puis finalement, ceux qui ont analysé le projet, là, les responsables de la sécurité, ont convenu que c'était mieux de les garder. Non, je suis d'accord. OK, je voulais seulement savoir ça. OK, parfait. Merci beaucoup. Mais oui, vous avez raison, c'était sur la table au début. Là. On avait proposé de les enlever, mais après analyse, puis après les commentaires des résidents, on a décidé de les laisser. Mais encore une fois, c'est fluide. Si jamais on se rend compte que ça devient l'enfer, puis plus personne ne peut aller nulle part, puis qu'il faut les enlever, on les enlèvera. Si c'est correct comme ça, on les laisse comme ça aussi. OK, parfait. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Bon, ben pour la suite, alors, moi, ce que je vous suggère, c'est soit qu'on organise une rencontre ensemble sur la rue Heartland selon les tronçons, et puis qu'on regarde les différentes options ensemble qui sont possibles. Donc, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le prochain mois, peut-être, après la semaine de relâche, si vous le souhaitez. Et puis, on pourra regarder ça. Et après ça, vous pourrez partir en réflexion et vous parler entre voisins pour choisir qu'est-ce qui vous convient. Et puis, on ira à ce moment-là avec la majorité là, pour implanter quelque chose. Merci. Merci, Maude. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez d'autres craintes? Comme je vous dis, on est vraiment très, très, très ouvert. C'est votre milieu de vie. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va faire ce qu'on peut pour vous rendre la vie le plus facile possible. Madame Furger? Oui, c'est suite au commentaire de la personne précédente. Là, je suis en train d'essayer d'imaginer dans ma tête entre 4 heures et 6 heures, effectivement, quand j'arrive de Van Horn. Quand j'arrive de Darlington, par exemple, là, de Wilderton, Darlington, donc je ne sais pas si on dit ouais, l'est ou l'ouest, là je vais me mélanger. Bref, j'arrive sur Van Horn. Comment je rentre sur Heartland? Parce que ben, Heartland, à ce moment-là, si je suis dans la partie, moi, Heartland du Charme, Heartland du Charme Van Horn, pardon. Oui, mais je ne peux pas tourner à gauche quand je ne peux pas. Je pourrais aller sur Antonine Maillet, mais je ne peux pas tourner à gauche à ce moment-là, c'est ça? Va falloir passer par la joie. OK. Vous habitez en Ducharme et Van Horn? Oui, mais attendez, je regarde. Oui. Okay. Ben alors, la joie. À Dunlop, j'arrive de Pratt. Donc, à Dunlop, parce que j'aurais tourné à gauche sur Antonine Maillet puis pris Ducharme, mais là, entre 4h et 6h, je ne peux pas. Effectivement. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre la joie Heartland, tourner à gauche sur Van Horn, prendre Dunlop et remonter sur Heartland. C'est vrai que ça fait un détour pas agréable. Oula, ouais. Ouais. Sinon, l'autre option, c'est de prendre Vimy et d'arriver sur Ducharme directement. Puis là, vous évitez les. Vous voyez, c'est exactement ça que ça va faire. C'est ce qu'on fait beaucoup. On fait ça actuellement. Quand c'est possible de le faire sur Vimy, on le fait actuellement sur Vimy. Hein, je pense que je ne suis pas la seule à le faire. Mais quand on a oublié, actuellement, ben, je fais Dunlop, La Joie, Heartland et je vais tout droit sur Heartland. Mais là... Ça vous rajoute Van Horn, Dunlop, Ducharme, Heartland. Ça vous rajoute tout un carré. Je tourne autour du pot, quoi.
Oui, c'est approprié. Mais juste pour que c'est tellement fastidieux comme détour, puis ça va l'être pour vous aussi, que les gens vont se trouver d'autres routes et probablement libérer vos rues. Mais en fait, on va prendre Vimy, mais ça ne va pas prendre longtemps pour que l'arrondissement Côte-des-Neiges mette des restrictions. Ben, parce que ça va faire des... Clairement, déjà, à Vimy, ça embouteille un peu, puis ça va pas prendre un an pour qu'à Vimy, il y ait probablement une interdiction de tourner à gauche. C'est sûr que Vimy, ça s'en vient probablement parce que il y a beaucoup de... Les gens se plaignent beaucoup de ça. C'est vraiment une artère de transit. Si jamais ça arrive, on avisera. Comme je vous dis, s'il faut enlever les interdictions de tourner à gauche, on le fera. Là. Si jamais c'est l'enfer et que personne n'est capable d'arriver chez eux pendant les heures de retour de travail, on les enlèvera. OK. Merci. Je crois qu'il y a une autre main levée. Madame Allard. Madame Allard? Est-ce que les interdictions sont de juridiction grande ville, ville-centre ou la vôtre? Sont la nôtre, hein, parce que c'est sur les rues transversales. C'est bon. Merci. Donc, ça va être quand même facile à enlever si jamais on doit les enlever. Ce sera une bonne... Comme on va l'implanter l'été et qu'il y a moins de circulation l'été, ce sera un bon moment pour s'habituer l'été, se reparler, se voir comment ça se passe. Mais ça va être plus à la rentrée... À la fin de l'été, qu'on va voir les impacts les plus sérieux. Là. Est-ce que vous aviez d'autres questions, d'autres commentaires? Non? OK. Est-ce que vous acceptez qu'on communique avec vous par courriel pour la prochaine étape? Oui, Madame Choco? Oui, bonjour, c'est Sébastien Caron. Je voulais simplement vous remercier pour votre travail et pour cette consultation. Je trouve que c'est très important qu'on se coordonne et puis je pense que ce qui est les différentes options qui sont envisagées, puis votre ouverture à les considérer est très importante. Et dans l'optique où il va y avoir beaucoup de changements autour de nous dans les différentes rues qui nous entourent, je pense que c'est important qu'on soit proactif pour prendre des décisions, pour être certain qu'on soit bien dans notre environnement dans les prochaines années. Bien, vous avez raison, c'est vraiment important. Puis j'en profite aussi pour vous dire que Van Horn va être... La réfection de Van Horn est un projet qui est réouvert, qui va se faire en 3 phases, et la phase proche de chez vous risque d'avoir lieu, je peux le dire, Mme Leblanc, 2028-2029, c'est ça, hein? Oui, sous toute réserve. Là, sous toute réserve, évidemment, mais on a eu une première rencontre là, pour établir un échéancier. Donc, ce n'est pas demain matin, la veille, qu'on aura une belle artère, mais ça s'en vient doucement. Donc, c'est quand même encourageant. Il y avait un commentaire, je pense. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Bien, ça fait plaisir. Si vous voulez nous laisser vos courriels dans le chat, ce serait vraiment apprécié. On pourra, et vous pourrez passer évidemment l'invitation à vos voisins. Et puis, juste pour que vous sachiez, là, la rue Champagnard, la petite rue Champagnard entre Saint-Viateur et Bernard, ont procédé de cette manière-là. Ils se sont rencontrés les voisins ensemble, ils ont regardé c'était quoi les différentes options, ils l'ont mis par écrit, ils ont fait signer l'ensemble des voisins pour savoir si ça leur convenait. Puis là, ils ont soumis leur projet à l'arrondissement. Puis bon, évidemment, c'est l'étape de l'analyse, là, mais ça semble bien fonctionner, là, cette espèce de manière de fonctionner. Participatif, on pourrait dire. Oui, ou comme c'est votre rue, là, habitez-la, rajoutez l'âme que vous voulez à votre rue et appropriez-vous votre rue. Bon, mais parfait. On va rester branchés pour 15 minutes ou on arrête la rencontre ici? Moi, j'arrêterai la rencontre ici, mais je vais quand même laisser là, les courriels rentrer là, pour qu'on puisse les prendre en note. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Est-ce que vous voyez les courriels? Moi, j'arrive.